Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo avec une joie immense, immense, immense. Tellement immense que je peux pas vous montrer à quel point ça l'est. Aujourd'hui, je reviens pour vous dire que cette semaine, c'est l'anniversaire du blog. Il aura 2 ans. Et ce sont 2 années absolument magiques, fantastiques, merveilleuses qui se sont écoulées. Ça a été du pur bonheur à l'état brut. Ça a été... une expérience tellement enrichissante que je ne veux surtout pas que ça s'arrête. C'est un tel bonheur que je tiens à le partager avec vous. Je tiens à vous le dire aujourd'hui, à revenir pour vous dire merci du fond du cœur. Donc il y a 2 ans, je me suis lancée dans l'aventure du blog parce que j'aime écrire, j'adore partager, j'adore communiquer, j'adore cette convivialité. Et je ne savais pas ce que ça allait donner, je ne savais pas si ça allait évoluer ou pas. Et là, 2 ans après, quand je vois tout ce qui s'est passé et comme ça a évolué, le blog a changé, le blog a évolué bien entendu, ça m'a apporté énormément de choses, ça m'a apporté beaucoup de copines, de blopping comme on les appelle, ce sont des copines de blog sur internet. J'ai rencontré certaines d'entre vous en vrai et pareil, ça a été fabuleux. Donc... je tiens à vous dire merci avec un grand M pour cette année magique, pour cette année merveilleuse et pour tout le bonheur qu'on a pu partager. Et j'espère que ce bonheur va continuer encore pendant très longtemps. Alors l'année dernière, pour fêter l'anniversaire du blog, je vous avais écrit un article où je parlais avec le cœur vraiment. De toute façon, je ne retouche hein, jamais mes articles dans le sens où j'écris comme ça me vient. Après je corrige juste si jamais il y a des petites fautes ou autres, mais je vais pas changer les mots, je vais pas reformuler mes phrases, etc. J'écris vraiment comme ça me vient, parce que c'est ce que je préfère, j'ai pas envie de faire quelque chose de trop surfait. J'ai vraiment envie d'avoir par écrit ce que je pense là directement de suite. Donc c'est ce que je vous avais fait l'année dernière, si vous voulez aller relire l'article, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et cette année, j'ai décidé de vous remercier parce que vous êtes toujours là. Vous êtes toujours en train de commenter de manière totalement adorable. Je vous le dis hein, tout le temps, mais vous êtes adorables, vous êtes des amours. Mais c'est vrai, rien qu'en lisant vos commentaires, je trouve que vous rayonnez dans vos commentaires. C'est impressionnant. Et bien souvent, je vais lire vos commentaires, ou je vais avoir un Insta direct, ou je vais avoir des petits messages privés, etc. Des mails même. Et je lis ça et j'ai un sourire immense qui me vient et ça me met du baume au cœur. Et ça me dure hyper longtemps. Voilà, c'est... même s'il fait moche, même si, si voilà, il y a des mauvaises nouvelles comme dans les vies de tout le monde, hein, bien entendu. Eh bien, vous êtes toujours là, vous êtes toujours en train de laisser des mots tellement adorables que c'est fabuleux, tout simplement. Je me répète, mais honnêtement, si vous pouviez... si vous pouviez percevoir la magie que ça met dans mon cœur, c'est fantastique. Je ne pensais pas honnêtement qu'avec un blog et avec une chaîne YouTube, j'allais autant m'épanouir, j'allais autant trouver de bonheur dans tout ça. Et que j'allais... alors m'investir, oui, parce que de toute façon, quand je démarre quelque chose, je m'investis tout le temps à fond. Mais je ne pensais pas que cet investissement allait à ce point vous toucher aussi. Donc c'est... C'est splendide, c'est du bonheur dans la vie, c'est du bonheur dans le cœur. Je me répète, mais c'est pas grave, j'ai le droit parce que je viens vous dire que c'est la semaine des 2 ans du blog. Donc j'ai le droit de vous dire tous ces mots que je répète, hein, que j'arrête pas de répéter. Mais si vous pouviez, mais vraiment quoi, j'aimerais avoir une, admettons, une toile où ça projette le bonheur que j'ai en moi. Pour que vous puissiez en fait voir ce que ça donne. Je pense que vous seriez assez surprise. Donc, cette année, pour vous remercier, j'ai décidé de vous gâter. J'ai décidé de réaliser... alors, il y aura toujours les petits articles vidéo parce que j'aime bien parler des produits. Mais je voulais également que vous puissiez les tester, que vous puissiez gagner des lots, etc. Donc, je vous ai concocté des petits concours. Alors, je tiens tout d'abord à vous dire que vous vous rappelez ce qui s'est passé à Noël. J'avais dû désactiver toutes mes vidéos parce que je réalisais les concours sur YouTube aussi. Et YouTube a une nouvelle politique sur tous les concours. On ne peut pas réaliser de concours, on ne peut pas vous demander de participer en commentaire en quelque sorte.
chose que je fais en général, c'est la seule condition obligatoire en général que je vous demande, de laisser un commentaire. Donc pour cette fois, les concours se passeront sur le blog. Je viendrai bien entendu vous en parler ici. Mais je vous demande s'il vous plaît de ne pas participer en commentaire sous les vidéos. Je vous expliquerai de toute façon tout ceci au fur et à mesure. Tout sera détaillé chaque jour. Mais pour vous résumer, il y aura environ au total 20 gagnantes de différents lots. Donc ça va me permettre de gâter plusieurs d'entre vous. Et ça c'est fantastique si je peux, si je peux vous remercier de cette façon. Après, la meilleure chose ce serait qu'on se rencontre tous, mais c'est un petit peu impossible. Donc on fait comme on peut. Donc à partir de l'anniversaire du blog qui est le 4 mars, donc qui sera mercredi, vous aurez des articles, des vidéos et vous aurez des concours pour gagner des lots. Je pense que je vous ai tout dit. Je vais encore une fois vous remercier d'être toujours là. J'espère que tout ceci va continuer encore longtemps, que je vais continuer de m'épanouir à ce point, que mes vidéos vont toujours vous plaire. Si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des envies particulières, dites-le moi en commentaire, dites-le moi sur les réseaux sociaux, envoyez-moi un mail, peu importe. Par exemple, quand vous êtes plusieurs à me dire « Oh, j'aime bien ce maquillage, etc. » Vous avez vu que je fais en sorte de vous faire le tuto où je vous réalise ce que vous demandez. Et moi, ça me fait plaisir parce que je suis pas là pour faire que ce que j'ai envie. Je suis là pour partager, je suis là pour communiquer avec vous. Donc, si vous avez des envies, dites-le moi et ce serait un plaisir de le réaliser. Alors, je sais que vous avez été 2-3 à me demander un room tour. Pour le moment, non, ce n'est pas prévu. Peut-être que si vous êtes beaucoup à me le demander, je le ferai. On verra ça, mais je prends de toute façon en note toutes vos idées. Et je n'oublie pas, bien entendu, de vous le dire quand c'est vous qui m'avez donné les idées, etc. Donc je pense que je vous ai tout dit. Je recherche, je suis sûre, mais sûre et certaine, cette vidéo va dans tous les sens. Ça doit être un cafouillis énorme. Mais je pense que vous me pardonnerez parce que je suis mais surexcitée que ce soit l'anniversaire du blog, que ce soit passé à une vitesse aussi dingue et que vous soyez là et j'ai envie de vous faire plein de câlins, j'ai envie de vous faire des bisous, j'ai envie de vous envoyer plein de cœurs tout le temps partout. Voilà, c'est c'est ça, c'est la magie de cette aventure. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour vous annoncer tout ceci. Donc les festivités commencent mercredi 4 mars. Je pense que je n'oublierai jamais cette date, c'est tellement... voilà, ça a été tellement le point de départ d'une chose magnifique dans ma vie que je ne l'oublierai pas. Et j'espère que ça vous fera plaisir. J'espère que vous serez contente de tout ceci. Donc en attendant la prochaine vidéo qui sera mercredi, je vous fais plein de bisous pirates. Et je vous envoie 20 millions de cœurs chacune. Thank you.